Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Donc aujourd'hui je vais aller à Ikea avec ma soeur pour pouvoir peut-être acheter une petite, un petit cyclamen et quelques petites plantes. Ne me jugez pas, je sais, il y a trop de petites plantes chez moi, mais j'aime bien les petites plantes. Aujourd'hui je me suis maquillée, ça fait très bien de se maquiller. Ça fait très longtemps que je me suis pas maquillée. J'ai mis un fond de teint les gars. J'ai mis 3 couches. En fait j'ai eu une réaction allergique, je sais pas, je pense pas vu que normalement ça part au bout d'un jour mes réactions. Mais en gros j'ai plein de boutons, je pense que vous devez peut-être le voir à la caméra. Je vais sortir ma chaîne juste avant et on va partir, je vais essayer de vous montrer un peu les nouveautés avec mon téléphone parce qu'avec une caméra c'est un peu galère. J'aimerais bien m'acheter une petite cyclamen pour remplacer celle-ci. Parce que celle-ci ça fait quand même assez longtemps que je l'ai, hein. Ça fait depuis le mois d'avril. Donc ça a quand même bien tenu, ça fleurit encore. Donc j'aime bien ce genre de plante qui dure malgré la chaleur. Donc en plus j'aime bien ce pot. Donc j'ai envie de remplacer mes petites... Ah c'est des calanchoées, pas des cyclamens, que je raconte. Donc j'ai envie de les remplacer et... Et voilà, je vais faire ça. Et donc voilà, on va y aller, tchuk. On va faire pipi, caca, prout. Et j'adore ces boucles d'oreilles. Je les kiffe beaucoup trop, ça avec des petites pierres. Elles sont magnifiques, vraiment elles sont magnifiques. Mais elles sont assez lourdes, quoi? Qu'est-ce que t'as? T'as une petite tchuk, hein. Donc voilà, j'ai fait un peu de ménage ce matin, vu que hier on a mangé sushi avec mon copain. Et dès qu'il y a mon copain, en fait, c'est toujours le bordel à la maison. Dès qu'il part, c'est Bagdad à chaque fois. Chaque fois, hein, c'est un truc de fou. C'est Bagdad, donc à chaque fois il faut que je range et que je nettoie. Donc là j'ai rangé et nettoyé, donc là au moins tout est propre. Regardez, on y va faire un pipi. Oui, après on va à Ikea, hein. Oui, tu peux pas y aller, toi, t'es une petite tchouquette, tu peux pas y aller. Un tchouk. T'es une petite tchouquette, oh là là, oui. Ah, je t'ai pas donné ta friandise, viens, pas donné la friandise. Friandise, à tchouk. Alors, friandise à tchouk. C'est pour qui ça? Allez, vas-y. Ouais, moi j'ai la friandise. Et je dois aussi aller à Ikea pour essayer de trouver des solutions pour mon dressing. C'est vraiment le bordel et j'aimerais bien... Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de pertes de place en fait. J'aimerais bien tout réagencer et essayer de trouver des solutions un peu pratiques. Des petits DIY, etc. que je pourrais faire pour mieux arranger mon dressing. Parce que c'est vraiment le bordel à chaque fois et on s'y retrouve pas. Et c'est trop, profond. Donc en fait, on peut mettre 2 tas de vêtements, mais je trouve que c'est pas pratique. Si tu veux un vêtement tout au fond, il faut retirer le premier tas, etc. C'est vraiment pas pratique. Donc j'ai envie de trouver une solution pour pouvoir bien ranger. Donc je vais voir ça à Ikea et voilà. Je vais vous montrer peut-être les nouveautés, les soldes, ce qu'il y a en ce moment. Je sais pas du tout s'ils font des soldes, vraiment aucune idée. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. C'est pour un bébé. C'est bien, n'empêche, pour voir. Franchement, salle de bain. C'est pas con. Pour mettre les têtes coches. Ouais. Tête plainte. Tu peux mettre ça chez toi? Non. Après tu mets des vraies plantes, hein, mais... Bien les paumes. Petit panier. J'aime bien les petits paniers, moi, comme ça. Combien? 5 euros. Ouh. Pas à la main. Pas à la main? Enfin, des orties. Ah bon. Donc, j'adore ce style. Ah ouais? Ouais. J'adore ça, moi. Ouais, j'aime bien les petites boîtes. Petites boîtes. Pour mettre les petites bouteilles. Ouais, j'aime bien ça. Je pensais qu'on pouvait juste les mettre à la verticale, tu vois. Ah oui, ok, ça se fixe. Ouais. T'as les petites vis. Non, c'est pas des petites, hein, c'est des grosses. Ouais. Ça, c'est bien ça. Pour papa. Bah, ce système là, là où tu peux accrocher les comme ça, ouais. Tu les comme tu veux, tu vois. Ouais. Ça c'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Attends. Voilà. Oula. Je suis pas mieux, moi. T'as un petit canapé, je vois, te dis. 200 euros. Petit canapé. Oh, j'adore la table basse. N'empêche, toi, j'aimerais bien avoir une table basse comme la tienne, tu sais, qui se soulève. Ah ouais, bah moi j'ai eu à boulanger. Mais elle est trop moderne. Hein? Pour ce que j'ai. Une en bois, quoi. Ouais, en bois. Bois baroque, tu vois. Oh, j'adore le canapé. Celui-là, il est beau. C'est bien ça, des trucs comme ça. Ouais. C'est pratique. Même là-haut, comment tu fais pour y accéder? Même moi, je peux pas y aller. Tu vois, c'est des trucs comme ça que je veux. Ouais, des séparateurs. C'est comment? C'est quoi? Des miettes. Barriera. Mais ouais. En plus grand, quoi. Ouais, il existe en plus grand, j'avais vu. Ah, oh, j'aime bien ça. Il y a pété ça, le oui, théière. Ensemble, ouais.
Il m'a pété. Il m'a même pété une autre encore, un truc comme ça là. Tu sais mon truc pour faire le café là, comme ça. Il me l'a pété. Ah, ouais. Enfin, il est pété, je l'ai retrouvé pété. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de table. J'ai jamais eu de table depuis 3 ans. De table ? De table pour manger. De vraies tables. Ah, ouais. Avec des vraies chaises. C'est ça, je déteste. Mais quoi ? Ce genre de choses là. Je déteste. Pas, regarde ça là, c'est, ouais, c'est bon. Par contre, les petites lumières, c'est sympa là. Moi j'en veux, ouais. Mettre sur mon lit. Non, mais tu sais qu'ils font le tour. Ouais. Mais en plus petit, pas grand comme ça. Moi je voulais mettre des LED, tu sais, en dessous de ma mezzanine. J'ai vu sur AliExpress là. Ouais. Sauf qu'il faut le brancher. Ouais. Et je crois que ça passe trop de fil. Là, j'en ai vu une à pile, mais je sais pas. Ouais, c'est un peu cher pour l'instant. Oh, j'adore ce genre de collection, moi. Blanche, un peu. Bois là comme ça. Toi j'aurais bien voulu avoir un truc comme ça mais qui se relève. Ouais. Ça aurait été mieux quoi. Le petit pot il est trop mignon. Viens hein. Tes pommes. Hein. C'est pratique. C'est bien ça. Au moins c'est pratique ça tu vois. Ça je le mettrai dans ma future maison. C'est pas con. J'ai mis mon meuble sur le bon coin mais j'ai plein d'arnaques. T'as plein de quoi ? D'arnaques. Ouais. Ouais, je vous donne 100 euros, vous me réservez. Je me dis non, laissez-moi tranquille avec vos arnaques de merde. Bah si, dans ces cas-là, tu les fais marcher jusqu'au bout, mais toi, tu sais pertinemment que c'est une arnaque, donc tu fais attention, quoi. Ouais. Vois jusqu'où ils peuvent aller. Mais par contre, en misant main propre et non, c'est l'argent donné... Non, c'est par la poste, parce que tu te rends compte, parce que, voilà, tu sais, son déplacement, ils ne peuvent point venir... Oh, j'aime bien ça. C'est joli. Elle est belle en fait. Ouais. Effectivement. Ouais, c'est vraiment pas mal ça. Après ça prend de la place hein. Mais, c'est pas mal. Et les rangements tout autour hein. Il me faudrait ça. Porte-tuyau. Non, en vrai, il me faudrait trop un porte-tuyau, mais alors comment le mettre après ? Ça, tu vois, tu prends ça pour tes rangements salle de bain ? Tu mets tes produits. Ouais, ah, regarde, c'est ça en fait, c'est pour mettre tes assiettes. Oui, mais j'ai peur que ça se gamelle, moi. Bah, moi aussi. Ah non, ok. Non, c'est à plat. Chérie, c'était vertical. Ah, c'est pas mal. Pour mettre tes assiettes. C'est pas con. Et des petites plantes partout. Oh, oui. Oh, j'aime trop celle-là, la succulente, elle est trop belle. Mais ça devient moche après. Mais après, non, ils sont beaux. J'aime bien celle-là. Mais c'est moche. Lynn, t'es peinte. Oh, elle est belle celle-là. Bien. T'es prête. Allez, prends un caddie. C'est parti. Je vais me faire larguer par mon mec. Oh, t'es peinte. Ah, oh, des petites calinco, oui. Tiens, comme ça, je mettrai sur mon frigo ça. Elles ont bien tenu hein, leur orchidée ici. Ouais. Elle a bien tenu, elle est morte parce qu'il y avait trop de soleil, mais pas mal. Hein. Je vais me prendre une petite calinkoé moi. Là, 6 cm, c'est une D6, c'est 6,50. Ah ouais. Oh, il y a plein de petites plantes. Ouais. C'est original, non ? Ouais. Toute ménienne. Oui. Oh, bon, allez, c'est parti, on va prendre des petites plantes. Petit plat à 4. Pas mal ça. Pas con. Ouais, même pour mettre au frigo. Mmh. Regarde, tu vois là, t'as toutes les mesures. Fécule, riz, liquide, sucre, semoule, farine, cacao. On est bien. Ah ouais, ça en prend. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Silicone mou. Des cloches à aliments. Quand tu utilises la moitié de ton citron, la moitié de ton concombre. Mais c'est génial, c'est très bien cette merde. 3 euros. Mais c'est génial. J'avais jamais vu ça. Elles sont trop belles ces tasses. Oh, j'adore. Ça fait ça après. Ouais, parce que c'est plein de poussière.
Ouais. Lui, il est beau. Je préfère en vert, tu vois. J'adore le vert, je sais pas pourquoi. Il est beau. Fait tricoter. Celui-là. Ouais. Joli. 12 euros. 12 euros. Là, c'est du 240 sur 200. J'aime bien ça. Couverture de lit. Housse de couette, 5,99€. Ouais. Après, non, c'est la même chose que j'aime pas. Ouais, ça fait transpirer quoi. Ouais, tu prends comme ça, putain, ça. Toi, tu dors là-dedans. Mais. Tu transpires pas ? Non, enfin, non, tu transpires pas. Et puis, en fait, ça reste frais quoi. Ouais. C'est un truc comme ça que je veux. Bah c'est le même prix qu'à Carrefour, hein, partout ailleurs ça. Hein. Donc, ouais. Housse de couette et 2 thés, 100 balles. Oh la vache. Combien ? 100 euros. 100 euros ça ? Ouais, avec les 2 thés. Hein ? Joli celle-là. T'aimes pas ? Ah ouais ? Moi je trouve hein. Elle est jolie, j'aime bien. Tu vois cette couleur là ? Ouais, joli. Moi j'aime bien le orange, hein. C'est faire sortir. Hein. On voit que ça. Oh, j'adore le vert. Oh la vache. Oh, il est beau. Il est magnifique celui-là. Oh les couleurs. Oh celui-là. Oh j'aime bien ces conneries comme ça. Toi j'en ai acheté à Action et je préfère celui-là, tu vois. Mais ouais, c'est ça qui est trop bien. Il est beau celui-là. Il a sorti à mes chiottes. Le truc à quoi ? Le truc à brosse à dents. Il ressort de fou. J'adore. Je sais pas. Parce que si je mets ça dans le dressing, ça, il m'en faudrait 2, je pense. Et Ouais, 2 en pétard. Ouais. Et je mettrai la tringle au-dessus. Je serai la tringle au-dessus. Non, après, ouais, mais t'as pas assez de hauteur. Bah, j'enlève la planche au milieu, là où il y a la tringle. Ça me fait environ 80 cm. Je mets ça en dessous pour. Ou deux, tu vois, plusieurs. Genre, j'empile si je peux. Mmh. Et la tringle, je mets les t-shirts sur la tringle. Mmh. Là, ça vaut pas cher. Ouais, je vais reprendre des cintres. Cintres comme ça, ils sont bien. Je vais en prendre un. Ça, ils sont vachement bien, ça. Hein. Ouais. J'ai tout mis, j'ai tout changé, j'ai tout mis ça. Tu sais, tout ce qu'il y avait dans le placard à gauche, à l'entrée, là. Tu sais, il y avait plein de cintres et tout. Mmh. Je me dis, il n'y avait plus de place. J'ai changé tous les cintres, il restait plein de place après. Ouais. J'adore. Mais mis, ça coûte combien, ça ? Je sais. Ouais. En plus, c'est un promo, hein. Mais elle est jolie, la corbeille. Corbeille. Ah ouais. Elle est jolie. Corbeille, 7 euros. Une poubelle. J'aime bien ça aussi. Oh, oh. Aidez-moi. Ils vendent des petits carnets. Oh, petits carnets. Ça, par contre, c'est bien. Pour mettre dans mon meuble télé. Let's go. Petite action. Oui. On n'a pas grand-chose à l'action. Hein. Il est nul cette action. Hein. Ouais, il est nul. Pourri. Toi, tu vas auquel ? Bah, Kremlin. Il est nul aussi, mais. Oh, bah, vas-y, vas-y. Allez-y, madame. Putain, elle est conne, elle. C'est une blonde. Hein. Désolée, elle est blonde. Hein. Moi, j'aime trop ces chaussures. Ça fait gros sur moi, avec mes jambes de gazelle. Eh, par contre, on marche bien dedans. Hein. Et ouais, c'est trop gros par rapport à mes jambes de gazelle. Bah, ouais. C'est ça. C'était pas en promo. J'étais en train d'hésiter avec cette robe là. Qui est une fente sur le devant. Donc j'ai laissé mon short. Il y a une fente sur le devant, un décolleté comme ça avec des petits volants. Le motif est vraiment trop beau. Je trouve avec les boucles d'oreilles ça va trop bien. Là ma soeur va me filer le pantalon par la combinaison pour voir ce que ça donne. Mais ouais je sais pas. Parce que si un coup de vent. La longueur elle est bonne quoi. Mais bon, je sais pas si je me trimballerai en robe longue comme ça. Ouais. Voici le avant.
Nous allons faire le après avec ceci. Et le après, voilà ce que ça donne. Donc il faut mettre des bocaux, hein, parce que là c'est pas possible. Mais pour mettre le sucre, sucre blanc, sucre roux, ces petites graines, etc. Ça fera beaucoup plus de place. Et elle pourra mettre, en remettre un autre même au-dessus pour mettre encore ses bocaux. Et là, tu pourras mettre un... Tu sais, sur la droite, là, tu pourras mettre un bocaux long pour mettre tes spaghettis. Bah comme bien, là, déjà. Ah, c'est ça? Oui. D'accord. Foili, foilou. Donc je viens de rentrer, j'ai acheté des petites plantes, je vais vous montrer ça juste après. J'en ai acheté là aussi, des autres petites choses que j'ai acheté aussi à Action, que je montrerai dans un haul aussi spécial Action. Donc bah je vais vous montrer ça. Donc j'ai pris cette petite plante pour la mettre dans la salle de bain. Il n'y a pas trop de lumière dans la salle de bain. Et on m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup de lumière pour ça. Donc, on va voir si le mec avait raison. Donc j'ai pris ça pour mettre dans la salle de bain ou pour mettre voilà à côté. Enfin, tu vois, genre un peu arranger un peu la chose. Et je viens de voir qu'on pouvait peut-être mettre ce genre de petits pots, vous savez, là-dedans. Je n'avais pas pensé à ça, genre... À ce genre de petit pot où on pouvait mettre bah, des plantes. Je viens de penser à ça, bref. Donc voilà, j'ai pris ça comme plante. J'ai pris plusieurs carangouets, j'en ai pris 7. Donc j'en ai pris 7 pourquoi? Pour pouvoir les mettre bah, dans mes jardinières qui se trouvent là et dans notre, il y en a une autre à côté. Et j'ai envie de mettre aussi une carangouet à côté sur mon radiateur. J'ai pris un lierre comme ceci. Donc il n'est pas très très long encore, mais il va pousser. Il y a encore des petites feuilles, il y a des petites pousses là, donc j'espère que ça va pousser. J'ai pris ça pour mettre dans un pot comme ça en fait, ici ou ailleurs, je vais voir ce que je vais en faire. Normalement je devais les mettre dans la cuisine. Et j'ai pris aussi ce lierre là qui est vraiment juste sublime. Et ça, soit celui-là je le mets dans la salle de bain ou dans la cuisine, soit cuisine ou salle de bain. Donc à voir ce que je vais en faire. En tout cas, il est très 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 beau, j'aime beaucoup. J'en ai pris encore bah, là, des calanchoées. J'ai pris une orchidée que je vais mettre bah, dès à présent, juste là-bas. Donc ça, ah voilà, celle-là, je voulais la mettre ici en fait. Je sais pas, je sais plus où je voulais la mettre. Ah oui, le lierre, je voulais le mettre là. Je voulais le mettre là pour que ça descende et tout. Enfin là, il est encore un peu jeune, mais je voulais le mettre là de base. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Moi j'ai pris tout ça de calanchoé. J'ai pris une mini succulente, celle-ci je l'avais déjà eue en gigantesque. Mais elle n'avait pas vraiment tenu, enfin elle avait bien tenu dans le temps, mais elle était devenue moche, donc je l'avais jetée. Et donc voilà ce qu'elle donne. Elle est trop jolie, c'est une toute petite. J'ai pris aussi un cache-pot que j'aimais vraiment beaucoup. Merci beaucoup Birdie pour ce bruit. On apprécie grandement, merci. Donc j'ai acheté ce cache-pot aussi, qui est vraiment très très joli. Je l'avais vu dans une vidéo, je le voulais beaucoup trop. Et ensuite j'ai pris ça, c'est pour bah, refermer les petits aliments, donc concombre, citron, yaourt, j'en sais rien, moi, verre, etc. Truc, et je trouvais ça vraiment pas mal, c'était assez ingénieux. La texture est assez bizarre, on dirait un peu un préservatif, donc bon. On a pris ça. J'ai pris aussi un tapis de salle de bain en bleu, il coûtait 3€ et est en promotion. J'adore ce genre de tapis de bain, puis il n'est pas trop grand, donc ça c'est cool. Et j'ai pris des cintres comme ceci, les 10 à 1,50€, ils sont vraiment géniaux ceux-là. Moi je les aime beaucoup, donc voilà, j'en ai repris pour faire ma petite penderie. Donc voilà, je viens de tout planter, j'ai mis de la terre partout bien évidemment. Donc faut que je nettoie tout ça. J'ai le hockey, c'est horrible. Donc voilà ce que ça donne en fait, les espèces de petits garde-manger, entre guillemets, garde-conservation. C'est une matière assez vraiment spéciale, on dirait un peu... On dirait un peu, vous savez, la tétine des bébés. C'est la même... Enfin, j'aimerais que c'est un peu pareil. Je mets ça dans un petit tiroir. Je vais mettre ça là. Bon, allez, c'est parti, je vais tout nettoyer. Donc voilà en fait ce que ça donne, j'ai mis une rose claire, une rose ici et ensuite j'ai mis une jaune, une orange et là ça va être la surprise, je pense que c'est une jaune. Donc voilà ça va être un peu fleuri parce qu'avec les trucs morts c'était un peu pas terrible. Voilà ce que ça donne, je vais ranger, nettoyer tout ça parce que là il y a plein de terre de partout, je vais passer un petit coup de balai. Et voilà. Donc voilà, donc j'ai mis ce pot là avec cette plante là dedans. J'ai mis ce pot qui était bah, de base là, bah, je l'ai laissé là. Et en fait ce pot qui était là-haut, bah, j'ai mis le lierre pour qu'il tombe ici.
Donc je trouve ça assez joli. Ensuite j'ai mis ma petite plante là et franchement je trouve que ça va trop bien avec le cache-pot. Genre c'est super beau, genre j'aime trop. Donc j'ai mis ça là, en plus ça va bien avec, avec ça. Ensuite la petite succulente j'ai mis dans ce petit pot là que j'avais acheté à Jiffy à moins 30%, donc je l'ai mis là dedans. Et ensuite j'ai mis ma mon orchidée juste là en pleine lumière avec à côté de mes petites phytonias qui sont en train de pousser, comme vous pouvez le voir là aussi c'est en train de bien pousser, donc je suis super contente. Et il y a aussi cette petite calanquée aussi qui va bientôt pousser. Donc je suis assez contente de ce que j'ai acheté. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, vous abonner à ma chaîne juste si c'est toujours fait. Je vous mets dans une vidéo qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.